Je fais ce que je veux dans la vie. Faccio quello che voglio nella vita. Depuis toujours. Da sempre. Quand j'étais bébé, quando ero bimbo, je choisissais de brailler. Sceglievo di piangere, Et di c'était mon gridare, choix. Ed era la mia scelta. Je décide de tout ce que je fais dans la vie. Decido di tutto quello che faccio nella vita. Et j'assume les conséquences de mes choix. E assumo le conseguenze delle mie scelte. Voilà une vérité qui m'est apparue pour moi. Ecco una verità che mi è arrivata. Alors, j'aimerais, au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir contraire. Mi piacerebbe, al di là di tutte le discussioni che si può avere al contrario, poser juste cet avis-là. Solo pongere questo avviso. Que je suis une volonté dotée d'un cœur à épanouir. Con un cuore da sviluppare. Je s'appelle Domenico. Io si chiama Domenico. Et pour moi, ça a été le point de départ. E per me fu il punto di partenza. Donc, je vous encourage à visiter cette idée-là. Le son est... Ça n'enlèvera rien à vos croyances, rien du tout. Non toglierà niente alle vostre credenze. Ça rajoutera une épice particulière. Aggiungerà solo una specie particolare. Dans tout ce monde qui grouille dans votre tête. In tutto questo mondo che gira nella vostra testa. Vous pouvez penser que de devenir pranique, c'est très bien. Potete pensare che diventare pranico è molto bene. Et je me dis que si c'est passé par vos souffrances, ça vaut pas la peine. Mi dico che se per passare tra le vostre sofferenze non vale la pena. Il y a mieux à faire que ça. C'è meglio da fare che quello. Vous savez ce qu'il y a mieux à faire? Sapete quello che c'è da meglio da fare? Non. No, non sapete. Non. Peut-être vous ne voulez pas le dire. Forse non volete dirlo. Vous n'avez pas ce courage-là? Non avete quel coraggio. Venez ici. Venez ici. Venite qui. Je vous regarde et je vous vois. Vi guardo e vi vedo. Et je vois là une grande partie de la grande famille humaine. E vedo qui una grande parte della grande famiglia umana. Alors je vais vous faire une annonce. Allora vi faccio un annuncio. Parce que au-delà d'attendre. Perché al di là di aspettare. L'arrivée des extraterrestres. L'arrivata degli extraterrestri. Des anges. Degli angeli. Des archanges, degli arcangeli, des esprits, degli spiriti, les petits, piccoli, les moyens, grandi, les très grands, molto grandi, leurs copains, loro amici, les cousines, oh, tu vas les faire tous, les cugine, toute la smala, tutta la famiglia. Mais je vous dirais que nous tous, io direi che noi tutti, les petits bonshommes, i piccoli uomini, on créera ce nouveau paradigme. Creeremo quel nuovo paradigma. Donc tout le monde rêve. Da cui tutti sogna. D'une seule façon. Di un solo modo. Avec nos petits bras et nos petites jambes. Con le gambe e con le braccia. Sans rien attendre de personne. Senza aspettare nulla da nessuno. Même pas de Dieu le Père. Neanche da Dio il Padre. Je lui ai demandé, c'est une info de première main. Gli ho chiesto e un'informazione da prima mano. Il m'a répondu comme ça. Mi ha risposto così. Je suis parfait. Sono perfetto. L'univers est parfait. L'universo è perfetto. Il n'y a pas de service après vente. Non c'è servizio dopo vendita. Tout fonctionne bien. Tout funziona bene. Tutto funziona bene. Si tu te plains, se tu rimpiangi, c'est que tu n'appuies pas sur le bon bouton. È perché ti sbagli di, boh, insomma si dice interruttore. Alors j'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi. Allora ho capito che posso contare solo su di me. Et quand je vous vois, bien je me vois multiplié par vous tous. E quando vi vedo, mi vedo moltiplicato da voi tutti. J'ai la même force que vous. Ho la stessa forza di voi. Je ne suis pas différent de vous. I'm not, je non sono diverso da voi. Puisque nous sommes tous des volontés. Perché siamo tutti volontà. Dotés d'un cœur à épanouir. Con un cuore da sviluppare.
Alors, l'idée du nouveau paradigme, c'est de rassembler des couleurs multiples. Et d'y rassembler, non. Mettere insieme, grazie, colori diversi. Sur deux piliers. Su due pali. Ou deux jambes. O due gambe. La première, c'est le bon sens. La prima è il buon senso. Et la seconde, c'est l'humanisme. E il secondo è l'umanismo. Quelle que soit votre couleur. Qualsiasi il suo colore. Vos croyances. Le vostre credenze. Nous pouvons tous nous accorder sur ces deux points. Possiamo tutti accordarci su questi due punti. Et bâtir un plan qui peut être efficace. E costruire un piano che può essere efficace. Je vais vous donner une idée. Vi do adesso un'idea. Nous sommes tous de même conscience. Siamo tutti con la stessa coscienza. Nous savons que toutes les deux secondes, il y a un enfant qui meurt de maltraitance dans ce monde. Sappiamo tutti che ogni due secondi c'è un bimbo che muore di maltrattanza nel mondo. Et ça, nous voulons l'arrêter. E quello vogliamo fermarlo. Alors, on se réunit tous au même endroit. Allora, ci riuniamo tutti in un solo posto, allo stesso posto. Je vais vous donner l'indication. C'est la place de la Concorde à Paris. La piazza della Concorde a Parigi. Elle peut contenir 3, 4 millions de personnes. Può contenere 3 o 4 milioni di persone. Nous irions tous. Andremo tutti. Avec la même conscience. Con la stessa coscienza. Pour dire gentiment. Per dire gentilmente. Avec humanité. Con umanità. À tous ces braves gens qui nous gouvernent. A tutti questi brava gente che ci governano. Que maintenant c'est terminé. Che adesso basta. Qu'on ne leur veut pas de mal. Che non li vogliamo male. Mais qu'on veut changer ce système. Ma che vogliamo cambiare quel sistema. Parce que nous voulons vivre pour être heureux. Perché vogliamo vivere per essere felici. Partager toute l'abondance de la terre. Condividere tutta l'abbondanza della terra. Et arrêter de chipoter avec ces histoires biologiques. E smettere di fare finta con quelle storie biologiche. Qui vous amènent aux toilettes sèches. Che vi mandano alle toilette sèche. Non so come si dice in italiano. Regardez autour de vous. Je fais une parenthèse. Guardate intorno a voi. Faccio una. Come si dice? Parentesi. Dans la nature, tout est abondance. Nella natura tutto è abbondanza. Tout est opulence. Tutto è opulenza. Il y a des personnes qui ont la capacité. Ci sono persone che hanno la capacità. Et beaucoup de personnes. E tante persone. De rénover tout ce qui va de travers. Di rinnovare tutto quello che è storto. En un temps incroyablement court. In un tempo infinitamente corto. Donc arrêtons de nous soucier de l'état de la planète. Quindi smettiamoci di fare di avere pensieri per lo stato della pianeta. Parce que c'est toute l'énergie qui part par là. Tutta l'energia. Perché tutta l'energia va. Perché tutta l'energia va di là. Qui coupe. Non, c'est. Il y a des trous. Et si l'énergie, elle va par là. Eh bien, elle ne va pas dans cet aspect pratique que je vous présente. Non va in questo stato pratico da presento adesso. Imaginez. Immaginate. Nous sommes quelques millions en place de la Concorde. Siamo qualche milioni in piazza della Concorda. Nous disons stop au système. Diciamo basta al sistema. Nous avons parmi nous sélectionné une centaine de personnes. Abbiamo tra di noi centinaia di persone. Qui sera l'équipe de gouvernance de la France. Che sarà la squadra di governanza della Francia. Autour de cette équipe de gouvernance, il y aura 200 personnes. Intorno a questa squadra di governanza ci saranno 200 persone. Pour surveiller l'équipe de gouvernance. Sorvegliare questa squadra di governanza.
Nous gèlerons la dette. Ah, ok. Je n'ai pas compris. Nous gèlerons la dette. Bloqueremo la dette. Quello che si deve, la dette. Il debito. Nous distribuerons à tous les foyers entre 1500 et 2500 euros par mois pendant un an. La distribuzione a tutta la a tutti les foyers. Comment? Les foyers. Les familles. À toutes les familles, 2 000 à 3 500 et 2 500 euros par mois. 3 500 et 2 500 à 2 500. Vous les flippez. 1 500 et 2 500 euros al mese. Par an ou par mois? Par mois. Al mese. C'est ce qui peut réduire, c'est ce qui est capable de fournir la dette. È quello che è capace di alimentare la dette. Il debito. Réquisitionne les banques. C'est quoi un réquisitionnement? Je dis ça moi en italien. Ah. Requisiamo. Ok. Requisiamo les banques. Voilà. Je t'avais dit de parler simple. Hein? Tu peux changer un peu là, Léo? Merci. On laisse fonctionner les hauts fonctionnaires. Lasciamo funzionare gli alti funzionari. Qui font tourner le pays. Che fanno girare il paese. On saisit l'Assemblée nationale. Prendiamo l'Assemblée. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. L'Élysée. L'Élysée. Et le Palais Bourbon. Et le Palais Bourbon. Ça, nous sommes installés à la place du système. Siamo al posto, messi al posto del sistema. On libère les énergies libres. Liberiamo le energie libere. Andrea Rossi, professeur Belpom, Meram Tavakoli-Kesh, Ayan Doyuk et tous les autres. Et tutti gli altri. On s'organise pour remettre tout ce qui est tordu à l'endroit. Ci organizziamo per rimettere dritto tutto quello che è storto adesso. Le nouveau paradigme, c'est ça. Il nuovo paradigma è quello. Ne rêvez pas aux anges et aux archanges. Non sognate agli angeli e agli arcangeli. Ça ne se fera qu'avec nos petits bras et nos petites jambes. Si farà solo con le nostre braccia e le nostre gambe. Je vais vous faire rire un petit peu. Adesso vi faccio un po' ridere. Nous avons déjà fait cette première révolution. Abbiamo già fatto questa prima rivoluzione. Il y a 2 ans. 2 anni fa. Nous sommes montés à Paris. Siamo andati a Parigi. Nous étions à peu près 10 000. Eravamo circa 10 000. Nous avons rencontré les Robocop. Abbiamo incontrato i Robocops. Nous avons rencontré les forces de l'ordre. Abbiamo incontrato le forze dell'ordine. Nous avons même certains été arrêtés. Siamo stati arrestati, certi. Nous avons discuté avec eux. Abbiamo avuto discussioni con loro. Nous avons parlé de spiritualité avec eux. Abbiamo parlato spiritualità con loro. Et nous ont dit. E ci hanno detto. Vous n'êtes pas assez nombreux. Non siete abbastanza numerosi. Pour qu'on vienne avec vous. Perché noi possiamo venire con voi. Parce que nous aussi on en a ras la casquette. Perché anche noi siamo stufi. Donc il y a une partie de l'armée. Quindi c'è una parte dell'armata. Une partie de la police. Una parte della polizia. Qui est dans cet état d'esprit de changer le paradigme. Stesso, che in quello stato di mente di cambiare il paradigma. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, je vous regarde. Adesso che vi ho detto quello, vi guardo. Et je me demande si vous en voulez la peine. E mi chiedo se, qu'est-ce que tu as dit? Se, vous en voulez? Non? Si vous en valez la ah, peine. Comment est-ce qu'on dit ça? Se ne valete la peine. Qu'en pensez-vous? Che ne pensate? Oui, ça vous intéresse? Vous êtes prêts à bouger vos petits bras, vos petites jambes? Siete pronti a muovere le braccia e le gambe? Alors, la grande annonce, c'est que, de toute façon, il grande annuncio è che in ogni modo, la France est le pays des Lumières. La Francia è il paese delle luci. Pas parce qu'ils sont très intelligents, hein? Intelligente, non. C'est tout à fait le contraire, d'ailleurs. La lumière ne vient que de l'innocence. La luce viene solo dall'innocenza. Mais la révolution se fera à partir de la France. Ma la rivoluzione si farà dal centro della Francia.
Et lorsque nous ferons ça, parce qu'il y a plein d'autres détails que je ne vais pas vous citer, E quando faremo quello, perché ci sono anche tanti altri dettagli che da questi non parlo adesso. L'Europe tout entière nous suivra. L'Europa intera ci seguirà. Et les autres pays ne pourront pas faire autrement. E gli altri paesi non potranno fare altrimenti. Que de nous suivre dans quelque chose qui n'est pas une utopie. Che di seguirci in una cosa che non è utopia. Mais qui est la seule possibilité pour nous. Ma che è la sola possibilità per noi. De changer les choses. Di cambiare le cose. En douceur. In con dolcezza. Avec amour. Con ça, amore, nous savons le faire. Quello sappiamo farlo. Parce que ça ne se fera pas sans amour. Perché non si farà senza amore. Avec du bon sens. Con buon senso. Et de l'humanisme. E umanismo. Parce qu'il est temps quand même qu'on commence à penser. Perché è tempo di cominciare a pensare. Comment est-ce que nous pouvons vivre heureux ensemble, non? Come possiamo vivere felici insieme? Sans espérance, hein? Senza speranza. Parce que l'espoir tue. Perché la speranza uccide. Mais de mettre en œuvre notre volonté dans le bon sens. Ma mettere la nostra volontà in cammino con buon senso. Tout à l'heure, je vous ai donné mon avis sur pourquoi y a-t-il des praniques sur Terre. Prima vi ho dato il mio avviso su perché ci sono pranici su Terra. Je pense que ça a circulé dans votre tête. Penso che è andato dentro la vostra testa. Alors, qu'en pensez-vous? Allora, che ne pensate? Silence complet. Silenzio assoluto. Ça te plaît? Bien, vous savez pourquoi les praniques sont là. Sapete perché i pranici sono lì. Donc vous n'êtes plus ignorant de cela, hein? Non siete più ignoti di quello. Puisque les praniques sont là maintenant. Perché i pranici sono lì adesso. Bien, tous ensemble. Tutti insieme. Agitons-nous pour mettre les choses en place, si vous voulez. Mettiamo le cose in movimento insieme, se volete. C'est pas compliqué, hein? Non è complicato. Il suffit de se rallier au mouvement qui est en route. Basta continuare il movimento che è già in cammino. D'expliquer, de faire des réunions familiales. Di spiegare, fare riunioni familiari. Chez soi. Da sé. Pour expliquer aux autres, ceux qui ne savent pas comment tourne le monde. Per spiegare agli altri, quelli che non sanno ancora come gira il mondo. Pour leur donner la conscience de ce qui se passe vraiment. Per dargli la coscienza di quello che si passa veramente. Pour que nous puissions être un maximum le prochain rendez-vous à Paris. Perché possiamo essere al massimo al prossimo appuntamento a Parigi. E là nous changerons les choses. E lì cambieremo le cose. C'était mon message d'amour. Questo era il mio messaggio di amore. Après nous tous qui avons des capacités. Dopo noi tutti che abbiamo capacità. Plus ou moins magiques. Più o meno magiche. Pour faire un travail ensemble. Per fare il lavoro insieme. Voilà, je vous ai passé le message. Vi ho dato il messaggio. On peut en parler quand vous voulez sur les réseaux sociaux. On peut en parler sur les réseaux sociaux. Possiamo parlarne sui network, social networks. Et puis entre nous, ce soir, demain, après-demain, quand vous voulez. E poi fra di noi, domani, stasera, quando volete. La révolution. Bye bye. Hein? On marche. Ino. On a eu ça aussi à Paris. Abbiamo avuto quello pure a Parigi. Tu m'as éteint? Alfredo. Va bene. Il m'est venu une idée. Mi è venuta un'idea. Il y a quelque temps. Qualche tempo fa. C'est de nous rassembler tous les praniques. E di rassemblare tutti i pranici.
plutôt que de rester isolés. Piuttosto che di rimanere isolati. Nous sommes très peu nombreux à accompagner les personnes dans le processus. Siamo molto pochi ad accompagnare le persone nei processi. Et j'ai toujours à cœur ed ho sempre al cuore que tous ceux que j'accompagne che tutti quelli che accompagno eh bien fassent leur part de travail et accompagnent aussi. Facciano la loro parte di lavoro e accompagnano pure loro. Parce que ce processus pranique perché questo processo pranico est quelque chose de très important pour la transformation de la conscience. È una cosa molto importante per la trasformazione della coscienza. Il existe des tas de systèmes de croyances et de thérapies. Esistono tanti sistemi di credenze e di terapie. Mais ce processus est vraiment déconcertant. Ma questo processo è proprio diverso. C'est en tout cas le plus efficace que je connaisse. È uno dei più efficaci che conosco. Il mène à un point de conscience qui est très pointu. Permette di arrivare a un punto di coscienza molto lontano. Et donne un point de contact direct avec celui que j'appelle mon père. Ed ha un punto di contatto con quello che io chiamo mio padre. Dans ce nouveau paradigme, je vais vous dire. In questo nuovo paradigma. On n'aura même plus besoin de parler de Dieu, d'aucune façon. Non avremo neanche più bisogno di parlare di Dio in alcun modo. Parce que par rapport à la raison d'être humaine. Perché in paragone alla ragione di essere umana. Et nous saurons ce que nous avons à faire. Sapremo quello che abbiamo da fare. Alors cette idée, c'était de rassembler tous les praniques. Allora questa idea era di assemblare tutti i pranici. Et de ceux qui conduisent les gens à ce processus. E di quelli che mandano, conducono la gente in questi processi. C'est de travailler ensemble dans le même sens. E di lavorare insieme nello stesso senso. Pour être plus efficace. Per essere più efficaci. Lorsqu'on vient en processus, vous venez de partout. Quando si viene al processo, voi venite da tutte le parti. Vous vous transformez. Vi trasformate. Et le plus difficile, arrive quand vous retournez chez vous. Arriva quando tornate a casa. Bon, l'idée, c'est de créer un lieu. La mia idea di creare un luogo. Le nom, c'est Pranamur. Il nome è Pranamur. Où tous ceux qui viendraient faire des processus. Dove tutti quelli che verranno a fare processi. Rencontreraient des praniques accompagnants différents. Incontreranno pranici accompagnatori diversi. Pourraient s'installer sur place. Potrebbe vivere lì su questo posto. Et continuer leur processus autant qu'ils voudraient jusqu'à ce qu'ils s'installent correctement. E continuare il loro processo il tempo che ci vuole per essere installato in quello stato. Vous aurez les détails de Pranamur sur mon site notamment. Avrete gli dettagli di Pranamur sul mio sito. Pour moi, ça me semble être l'idée la plus simple de démarrage. Per me sembra essere l'idea più semplice per iniziare. De quelque chose de concret. Qualcosa di concreto. Parce que d'être juste pranique pour être pranique. Perché essere pranico solo per essere pranico. Vous allez devenir une belle voiture. Si diventa una bella macchina. Qui fonctionne très bien. Che funziona benissimo. Mais elle n'est belle que quand elle est conduite. Ma è bella solo quando si va in giro insieme. Si vous enlevez le chauffeur. Se togliete il conduttore. Et vous mettez la voiture au garage. E mettete la macchina al garage. Elle restera toujours très belle. Rimarrà sempre bella. Mais elle prendra la poussière. Però prenderà la polvere. Alors un pranico debout. Allora un pranico in piedi. Sans ce cheminement objectif. Sans idée pratique. Senza idea pratica. À mon sens, il sert à rien. Non serve a nulla. C'est juste une belle voiture. È solo una bella macchina. Lorsqu'on fait un processus pranique, il y a. Quando si fa un processo pranica, c'è. Une impulsion de liberté très puissante. Un impulso di libertà molto potente. On réalise à un moment donné. Si realizza a un momento. Qu'on n'a plus besoin de rien. Che non abbiamo più bisogno di nulla. Ni de personne. Né di nessuno. Pour être heureux. Per essere felice. Et vivre librement.
e vivere liberamente. Je veux être plus précis. Sto per essere più preciso. Quand j'ai dit plus besoin de personne, quando ho detto più bisogno di nessuno, c'est plus besoin de personne. Vuol dire più bisogno di nulla, di persona. Ni son papa, ni sa maman. Né suo papà, né sua mamma. Ni son époux, ni son épouse. Né il suo marito, né la sua sposa. Ni ses enfants. Né i figli. Alors, vous ne vivrez pas ça. Allora, quello non lo vivrete. Parce que nous l'avons vécu à votre place. Perché l'abbiamo vissuto al posto vostro. Et nous pouvons vous expliquer, ou nous faut en tout cas vous faire éprouver ce qu'est ce sentiment de liberté qu'on éprouve. E possiamo spiegarvi, fare conoscere quel sentimento di libertà che noi proviamo. Bon, je sens capable d'aller dans cette direction. Si ci sentiamo capaci di andare verso questa direzione. Ou dans celle-ci. O verso quella. Et que rien ne nous arrête plus. E che niente più ci arresta, ci ferma. J'explique toujours que dans le processus, spiego sempre che nel processo, on a trois possibilités pour sortir. Abbiamo tre possibilità per uscire. La première, c'est la prima. On ne mange plus, on ne boit plus, on est pranique. Non si mangia più, non si beve più, siamo pranici. La deuxième, c'est la seconda è on reprend ses vieux habits d'avant. Si riprendi i vecchi vestiti di prima. Donc on se remet à manger. Ci rimettiamo a mangiare. Et il y en a une intermédiaire. E c'è una al mezzo. C'est que on peut s'en aller dans la campagne. Possiamo andare in campagna. Et puisqu'on n'a plus besoin de personne. E come non abbiamo più bisogno di nessuno. Ben vivre son état pranique en solitaire. Vivere questo stato pranico in solitario. J'en connais un certain nombre qui ont choisi ça. Conosco certe persone, tante persone che hanno fatto quello. Ils se sentent tellement libres à un moment donné. Si sentono così liberi a un punto della loro vita. Et ils nous disent la société moi c'est fini. Ci dicono la società per me è finita. Je m'en vais, ciao. Me ne vado, ciao. Et laissent tout tomber. E lasciano tutto cadere. Donc à ceux qui veulent rester responsables, a quelli che vogliono rimanere responsabili, sans que ce soit une critique, on a le droit de se mettre à l'extérieur. Hein. Senza che sia un giudizio, abbiamo il diritto di rimanere fuori della società. Eh bien, c'est à eux qu'incombera le nouveau paradigme à mettre en place. Tocca a loro di mettere il nuovo paradigma in posto. On est aux portes d'un changement considérable. Siamo alla porta di un cambiamento immenso. Et nous pouvons être véritablement des acteurs de ce changement. Possiamo essere attori di questo cambiamento. Je vous ai donné les informations comme ça en vrac. Io ho dato le informazioni così un po' tutte insieme. Le changement de système. Il cambiamento di sistema. Prendre amour la cité. Prendre amour la città. On pourra en parler autant que vous voudrez dans le détail. Potremmo parlarne così tanto che volete in Mais dettaglio. L'essentiel il est là. Ma l'essenziale è lì. Dans l'idée globale. Nell'idea globale. Si vous avez des questions. Avete domande? C'est bien, pour que vous réfléchissiez. Donc, riflettate. Là, il y a une question. Si. Attends, si. Si. Bisogna collegarsi. Il est nécessaire. Bon, est-ce qu'en Italie, il y a des gens qui s'occupent de ça? Il n'y a personne, elle dit. Si. Le drapeau, c'est la démosophie pour l'instant. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Sofia, per adesso. Et il suffit de rechercher les correspondants. Basta cercare le corrispondenze. Pour que la chose se mette en place. Perché la cosa si realizza. Là, il y a une question à droite. Bon, c'est pas grave, je pense que l'essentiel sera perçu aussi.
On est dans le rassemblement d'une masse critique, hein, c'est Siamo ça que nel j'observe. rassemblamento di una massa critica. Et cette masse critique E questa massa critica est composée de praniques. È composta di pranici. Elle est encore trop légère pour faire le poids. O mica abbastanza pesante per fare il peso. Alors profitez de cette occasion que vous êtes là. Approfittate di questa possibilità di essere lì. Pour poser des questions qui vous feront avancer. Per fare domande che vi farà andare avanti. Pas celles qui viendront cajoler vos peurs. Mica quelle che vengono coccolare le vostre paure. Et vouloir soigner vos petits bobos. E voler curare le vostre ferite. Oui. Un'altra persona. Ho fatto quella domanda. Spiegavo che ho visto nel pranismo. C'è quella legge che dice il problema degli altri non mi riguarda. Ho spiegato che sì, io sono attratto dal pranismo. È perché ho una coscienza mondiale. Siamo uno. Ho detto se per essere pranici devo accettare di lasciare i miei fratelli e le sorelle morire perché non è mio problema, perché è il prezzo che ho da pagare. Preferisco andare a mangiare mattina, mezzogiorno e sera al fast food. Come posso mettere in posto il pranismo con quelle idee? E l'altro intervento, l'altra persona non ha assolutamente mica capito la mia domanda. Dans l'état pranique, on est dans un état d'amour. Nello stato pranico siamo in uno stato d'amore incondizionale. Incondizionale. En tout cas, c'est la force qu'on veut donner à cet amour-là. È la forza che vogliamo dare a questo amore. En tout cas, c'est de cette façon que je vois les choses. E in questo modo che io vedo le cose. Quand mes yeux s'ouvrent le matin, quando i miei occhi si aprono la mattina, je m'adresse à mon père. Parlo al mio padre. Pas à mon papa, hein. Mica al mio papà, mon père. Al mio padre. Je le remercie pour ses bienfaits. Lo ringrazio per i suoi benefatti. Et je lui dis ceci. E gli dico quello. En conscience. In coscienza. Je choisis. Scelgo. D'être. Di essere. Amour. Amore. Paix. Pace. Et joie. E gioia. Pour moi. Per me. Et pour les autres. Toute cette journée, tutta la giornata, et je m'y tiens. E rimango in questa direzione. Ça, c'est mon boulot de tous les jours. Quello è il mio mestiere di tutti i giorni. Occasionnellement, j'exerce une activité pour payer mes factures. Quello, accanto a quello, faccio un'attività per pagare le bollette. Donc mon boulot, c'est ça, devenir un être humain avec un grand H. Quindi il mio mestiere è quello, diventare un essere umano con un grande E. Donc, je n'ai aucune intention de laisser quiconque sur la route. Quindi non ho l'intenzione di lasciare chiunque sulla strada. D'autant plus que je sais qu'on ne peut aider personne. Quando si sa in più che non si può aiutare nessuno. Alors prenons courage. Prendiamo coraggio. Mettons-nous en responsabilité de nous-mêmes. Mettiamoci in responsabilità di noi stessi. Cessons de parler des gens. Smettiamo di parlare della gente. Des autres. Dagli altri. D'avoir ces phrases oui mais. Di avere quelle frasi sì ma. Nous choisissons tous les jours à chaque instant. Scegliamo ogni giorno ad ogni istante.
C'est notre liberté de choisir. È quella nostra libertà di scegliere. C'est d'ailleurs la seule liberté que nous ayons sur terre. È l'unica che terre. Abbiamo sulla terra. Il n'y en a pas d'autre. Non ce n'è altra. Alors nous choisissons le bien. Scegliamo il bene. Plutôt que son contraire. Piuttosto che il contrario. Et si quelqu'un a besoin d'un exemple. E se qualcuno ha bisogno di un esempio. C'est facile de penser qu'un coup ça fait mal. È facile di pensare che un colpo fa male. Et qu'un baiser ou une caresse, ça fait du bien. E che un bacio o una carezza fa bene. Donc il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Quindi non c'è bisogno di essere intelligente. Pour voir ce qui est bon. Per vedere quello che è buono. Évidemment, tout cela vient. Ovviamente tutto quello. Chahuter un peu le paysage. Viene un po' disturbare il paesaggio. Mais si on veut vivre. Ma se vogliamo vivere. Dans la construction d'un bonheur tous ensemble. Nella costruzione di una felicità tutti insieme. Nous devons vraiment manifester une volonté. Dobbiamo manifestare la nostra volontà. Que nous soyons tous un. Che siamo tutti uno, dans ces jolies phrases qui nous font plaisir, in quelle belle frasi che ci fanno piacere, dont on a du mal à comprendre le sens profond, da cui abbiamo a volte difficoltà di capire il senso profondo, vous rendrez compte un jour que de toute façon, vi renderete conto un giorno che in ogni modo, quand vous serez sortis de vos croyances, quando sarete usciti dalle vostre credenze, que rien ne se fait sans que vous bougiez vos fesses, che nulla si fa senza muoversi. Vous pouvez me parler de synchronicité, de tout le paysage ésotérique. Potete parlarmi di sincronicità, sincronicità di tutto, di paesaggio esoterico. Oui. Dans lequel tout le monde s'endort. In quale tutti si addormentano. Ça changera rien. Non cambia niente a quello che ho detto. Si vous ne vous bougez pas. Se non vi muovete. Personne ne vous bougera. Nessuno vi muoverà. Une autre information, vous la voulez? Un'altra informazione la volete? Dans les années 60, negli anni 60, il y avait des révolutionnaires. C'erano rivoluzionari. Il y en a marre, vous les avez connus? Sono stufo. Bien. Li avete conosciuti? Ces révolutionnaires, questi rivoluzionari, pour les faire taire, per farli tacere, on a gonflé un gros nuage ésotérique. Hanno fatto crescere una grande nuvola esoterica. On a donné de l'argent. Hanno dato i soldi. On les a autorisés à créer des sectes. Li hanno autorizzati a creare sette. Et on a organisé le désordre. E hanno organizzato il disordine. Tous les révolutionnaires qui voulaient changer le monde. Tutti i rivoluzionari che volevano cambiare il mondo. Sont entrés là-dedans. Sono entrati lì dentro. Sont allés élever des chèvres à gauche à droite. Sono andati. Des moutons. Occuparsi di animali a destra e a sinistra. Et le monde a continué de tourner de la même façon. E il mondo è continuato a girare nello stesso modo. Dans notre époque, il y a de nouveaux révolutionnaires. Nella nostra epoca ci sono nuovi rivoluzionari. On vient de refabriquer un gros nuage ésotérique. Hanno rifabbricato una nuova nuvola esoterica. Ça a marché une fois. Ha funzionato una volta. Ça marchera la deuxième fois. Funzionerà la seconda. Cette fois-ci, on l'a fait partir en Inde. Questa volta l'hanno fatto partire in India. Et le nuage est arrivé vers nous. E quella nuvola è arrivata da noi. Avec la musique. Con la musica. Les odeurs. Le odori. Les jolies couleurs. I belli colori. Et cet aspect rêveur d'une langue dont on ne comprend rien. E questo aspetto di sogno di questa lingua che non si capisce niente, qui nous laisse bien mollement nous endormir, che ci lascia addormentare mollamente, dans l'espérance, nella speranza, de ce qui est sacré qui fera travailler notre place, di quello che è sacro che farà il lavoro al posto nostro. Les révolutionnaires se sont engouffrés dedans. I rivoluzionari si sono andati tutti verso di là. Parce que c'est facile de s'endormir. Perché è facile addormentarsi. Et le monde veut continuer de tourner de la même façon. E il mondo vuole continuare a girare allo stesso modo. Seulement, cette fois-ci, solamente questa volta, il y a la
nourriture pranique. C'è il cibo pranico. Et ça, c'est une nouvelle donne. E questo è una nuova, è una nuova, è una nouvelle donne. Un nuovo, sì, un nuovo dato. Le pranique se sent libre. Il pranico si sente libero. Et il est par essence ingouvernable. Ed è da per essenza ingovernabile. Et comme il est rempli d'amour. E come riempito di amore. Il est difficilement opposable. On a du mal à l'empêcher. Abbiamo difficoltà per impedire di fare cose, puisque di dire cose. De toute façon, il ne fait pas de mal. Perché in ogni modo non fa male. Réfléchissez à ça. Pensate un po' a quello. Toutes les croyances sont bonnes. Tutte le credenze sono buone. Personnellement, je ne crois plus en rien. Personalmente io non credo più a nulla. Je ne crois même pas en Dieu. Non credo neanche a Dio. Je ne crois pas que ma main est au bout de mon bras. Non credo che la mia mano sia alla fine del mio braccio. Je n'ai pas besoin de croire à ça. Non ho bisogno di credere a quello. C'est une évidence. È un'evidenza. Tout le monde peut le voir. Tutti lo possono vedere. Donc ce Dieu dont on parle. Quindi quel Dio da cui si parla. Que j'ai approché si près qu'aujourd'hui j'appelle mon père. E che ho avvicinato così vicino che adesso lo chiamo mio padre. C'est pour moi une évidence et pas une croyance. È per me un'evidenza, mica una credenza. Alors on a le choix de rester dans les croyances ou de passer dans l'évidence. Abbiamo la scelta di rimanere nelle credenze o di passare all'evidenza. C'est en sortir. Ha chiesto se evidenza e fare l'esperienza, lo sperimento. Quand on passe une porte, hein, quelle qu'elle soit, quando si passa una porta, on devient indifférent. Si diventa diverso. Et ce qui était une croyance peut devenir une évidence. E quello che era una credenza può diventare un'evidenza. Voilà. Si vous aspirez à un monde libre, se volete un mondo libero, mais libre au sens profond, ma libero al senso profondo, c'est-à-dire qui vous donne votre responsabilité cioè pleine che et entière, la sua, la tua responsabilità piena e intera, vous devez vraiment faire l'effort de réfléchir à ça. Dovete fare lo sforzo di riflettere a quello. Sinon, rien ne changera comme vous le souhaitez. Nell'altro caso, niente mai cambierà. Vous en avez assez? Siete stufi? Ça t'a fait rire, Henri? Il y a une question là. Ça t'a fait plaisir, Henri? Il y a une question à droite là. Je t'aime, Henri. Il faut parler fort. Hein. Allez-y. Quand est-ce qu'on va à Paris pour manifester? Alors, il y aura une nouvelle date. Ci sarà una nuova una data che sarà fissata. Et à ce moment-là, tout le monde le saura. E a quel momento tutti lo sapranno. J'étais en train d'avoir la considération que aider les autres nous permet de grandir, de nous développer nous-mêmes. On peut penser ça. Si può pensare quello. Ce serait une bonne occasion de nous élever. On peut penser ça. Mais l'important, c'est pas d'avoir raison. L'importanza non è di avere ragione. C'est de ne pas avoir tort à la fin. E di non avere torto alla fine. Oui, là, ici. Où est-ce qu'on est quand on est? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera à Paris? Che cosa faremo quando saremo a Parigi? Alors, le plan sera donné. Il piano sarà dato. Il s'agit de... On l'a fait officiellement, hein. Je voudrais vous dire quelques petites choses comme ça. L'abbiamo fatto ufficialmente. Nous avons fait les choses en règle. Abbiamo fatto le cose in regole.
Nous avons démissionné le président et les ministres. Abbiamo démissionato il presidente e i ministri. Par une formule qui existe dans la Constitution française. Con una formula che esiste nella Costituzione francese. Et nous avons décrété que tous les gouvernements à partir de celui-là étaient illégitimes. E abbiamo decretato che tutti i governi che vanno in posto da quel momento sono illegittimi. Donc nous sommes en règle avec la loi. Quindi siamo in regola con la legge. Parce que si nous n'étions pas en règle avec la loi, perché se non fossimo in regola con la legge, les gendarmes du monde, la polizia del mondo, parce que nous faisons le désordre en France, perché noi facciamo il disordine in Francia, et que la France n'arrive pas à s'en sortir, e che la Francia non riesca ad uscirne, eh bien viendrait faire la police chez nous. Verrebbe fare la polizia da noi. Oui. Je vous donne une belle nouvelle. Vi faccio una buona notizia. L'un de nos derniers présidents, uno dei nostri recenti presidenti, a fait voter une loi, ha fatto votare una legge, qui est passée, che è passata. Comme quoi s'il y a un attroupement comme ça, che se c'è che si riunisce così, non autorisé par le gouvernement, che non è autorizzato dal governo, la police. La polizia a autorisation, all'autorizzazione a tirer dessus a usare avec des balles réelles con balle reali. Voilà où on en est, ecco, en France. Dove siamo in Francia. Je parle pas de l'Amérique où il y a encore des gens qui pensent que les avions détruisent les monuments, non les bâtiments. Non parlo dall'America dove la gente pensa ancora che gli aerei distruggono le les buildings, les torres. Et partout ailleurs, c'est pareil, hein. Et in tutto il mondo è la stessa cosa. Alors, je pense qu'il est plus temps de dire les choses doucement avec des mots polis. Penso che non ho più il tempo di dire le cose dolcemente con le parole ben pensate. Parce qu'on a derrière nous des assassins. Perché abbiamo dietro di noi assassini. Et la meilleure arme qu'on ait à leur opposer, la migliore arma che abbiamo da opporre, c'est l'amour. È l'amore. L'amour, c'est la plus forte énergie qui existe. L'amore è la più forte energia che esiste. Voilà. Personnellement, je n'ai aucune colère contre personne. Io non ho nessuna collera contro nessuno. Je suis prêt à aimer mes ennemis. Sono pronto ad amare miei nemici. Parce que c'est la seule façon de les éliminer. Perché è l'unico modo di eliminarli. Alors vous voyez, allora vedete, on peut partir de l'intention de faire un processus pranique. Si può partire dall'intenzione di fare un processo pranico. Et de découvrir des réalités de la vie qui sont beaucoup plus puissantes. E di scoprire realtà della vita che sono molto più potenti. Que ce simple état d'être si bien dans sa peau quand on est pranique. Che solo quello stato di essere così bene in questo stato pranico. Bon, je pourrais vous en dire encore des heures et des heures, mais. Je pourrais parler encore à ore et ore. Hein? Parole, parole, parole. La canta bene, questa canzone. Vous avez des questions? Domande? Oui. Oui. Oui, vas-y. Tu ne crois pas qu'il est déjà en train de se passer quelque chose ici dans ce pays avec une loi? J'ai pris la loi parce que bon, je ne suis pas italienne, moi, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de par rapport au vaccin. Et que les gens manifestent dans les rues, manifestent leur opposition par rapport à tout ça. Est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose en Italie? Mais il se passe quelque chose partout. Mais c'est réprimé. Tout ce qui va dans le sens de la révolution est coupé.
si passa qualcosa ovunque in tutti i paesi, ma tutto quello che concerne la rivoluzione è oppresso. Réveillez-vous bien, ils possèdent l'industrie, hanno l'industria, la presse, la presse et la finance. La presse, et les, donc je fais la stampa et la finanza. Je fais ce que je veux avec ça. Faccio quello che voglio con quello. Il cibo. La nourriture. Je veux créer une diversion. Voglio creare una diversione. Je vais choisir un petit cabaret en France. Vado a cercare un cabaret in Francia. Et j'y fais glisser une bombe. E ci metto una bomba. Et je dis que c'est Daesh, Al-Qaïda ou Tartempion. E dico che uno o l'altro. Et tout le monde a peur de Daesh, Al-Qaïda. E tutti hanno paura di quelli. C'est vrai, ils existent. È vero, esistono. Mais ils sont fabriqués par eux. Ma sono fabbricati da loro. Donc c'est facile de faire le bazar. È facile di fare il bazar. Et nous, on n'a aucune chance là-dedans. Noi non abbiamo nessuna fortuna lì dentro. Le pot de terre contre le pot de fer, on ne gagnera pas. Piccoli in faccia a grandi non guadagniamo. La seule solution, vraiment, réfléchissez, vous verrez. L'unica soluzione proprio, riflettate e vedrete. C'est la demosophie. È la demosofia. Ça veut dire la sagesse du peuple. Vuol dire la saggezza del popolo. Nous sommes capables de la mettre en place. Siamo capaci di metterla in posto. Il y a suffisamment de gens compétents. C'è abbastanza gente competente. Avec lesquels on peut monter ce travail-là. Con cui si può montare. Fare, mettere quel progetto in gamba. La mia domanda è: avete cominciato con i due bimbi dove la maggior parte non è qui in Europa ma nel terzo mondo? Non è noi con il nostro potere di comprare, con il nostro potere che possiamo fare cambiare le cose perché i nostri soldi vanno a loro, loro che decidono, ma con i nostri soldi che gli danno. De ce côté-là, c'est fichu d'avance. Di questo lato non c'è uscita. Parce que l'argent n'existe pas, c'est virtuel. Perché i soldi, i denari non esistono, è virtuale. Donc le jeu est truqué d'avance. Il gioco è, non è giusto. Donc c'est pas possible par là. Non è possibile di là. Sì. Sì. Pare che la gente sia cosciente di quello per fare cambiare le cose. Je vais faire simple. Je veux faire simple pour faire court. Io parlo poco e on peut parler longtemps, faire la polémique, hein, longtemps. Si può parlare a lungo di quel soggetto. Mais en résumé, il est bon de savoir que ce qui se rassemble ici. Ma si deve sapere che quelli che si mettono insieme qui. Et ailleurs, hein, dans des groupes parte, comme ça qui réfléchissent. In gruppi che riflettono. C'est la masse critique. È la massa critica. Qui va faire basculer le système. Che farà che farà rovesciare il sistema. Donc on est juste en train de se rassembler. Quindi siamo solo rassemblati. Et grâce à ces réseaux sociaux. E questi social networks. Eh bien on pourra se réunir et être informé de ce que l'on peut faire ensemble. Potremmo riunirci ed essere informati di quello che si può fare insieme. Je vais vous faire un parallèle aussi très court. Faccio un parallèle molto corto, un paragone molto corto. Nous accompagnons des gens, nous accompagnons des personnes en processus pranique. Accompagniamo persone in processi pranici. Vous croyez vraiment que le processus transforme les gens? Credete proprio che il processo trasforma la gente? Vous croyez que les accompagnateurs sont des magiciens? Credete che gli accompagnatori sono magici? Maghi. Vous croyez qu'il y a une recette secrète qui credete fonctionne? Che c'è una ricetta segreta che funziona? On est juste en train de rassembler. Siamo soli, solo. Ceux qui ont la capacité. Mettiamo solo in contatto quelli che hanno la capacità. Dans le temps le plus court. In un tempo il più corto. De devenir pranique. Di diventare pranici.
pour faire ce travail qu'on a à faire. Per fare quel lavoro che abbiamo da fare. Oui, tout le monde est pranique à la base, tout le monde. Sì, tutti siamo pranici all'inizio. Mais je vais vous dire, on n'a plus le temps d'attendre ceux qui traînent. Ma non abbiamo più il tempo di aspettare quelli che sono lenti. On dit les choses une fois, deux si fois. Si dice una cosa una volta, due volte. Mais c'est pas la peine de la répéter trois fois. Ma non c'è più, non abbiamo più il tempo di ripeterla una terza volta. On va voir un autre, on va voir le voisin. Si va vedere uno e poi l'altro. Mais on ne perd pas son temps à essayer de convaincre les gens. Ma non perdiamo tempo a provare di convincere gli altri. Ceux qui seront debout le jour nécessaire. Quelli che saranno in piedi il giorno necessario. Seront uniquement ceux qui auront décidé. Saranno quelli che avranno deciso. Et pas ceux qu'on aura convaincus de faire ça. E mica quelli che avremo convinti di fare quello. Si vous êtes tous là, comme ça, ici, pour le prana. Se siete tutti qui, voi, per il prana. C'est qu'au-delà des généralités. È perché al di là delle generalità. Vous êtes les plus sensibles, capables de remplir la masse critique. Siete il più possibile. Sensible. Il più sensibile di pour rassembler la masse critique. Per essere di questa massa critica. Voilà ce que j'entends en vérité. Ecco quello che sento, verità. Je vais vous faire part d'une vision maintenant. Adesso. Henri en a eu de très belles, il en a toujours. Nous en avons tous de belles visions. Adesso vi dico una visione che ho avuto. Ne abbiamo tutti belle visioni. Henri en a eu de très belles. Henri ne ha avuto molto belle di visioni. Je te raconterai comment je suis venu au prana, si ça t'intéresse. Ti racconterò come sono venuto io al prana, se ti interessa. Cette vision, je l'ai eue les yeux ouverts dans la journée. Ta visione l'ho avuto ad occhi aperti nella giornata. Je me suis senti relié à la terre. Mi sono sentito rilegato alla terra. Les pieds accrochés, enracinés. I piedi con le radici. Et j'ai entendu une grande clameur de joie se lever de la terre. E ho sentito un clamore di gioia sollevarsi dalla terra. C'était toute la race humaine. Era tutta la razza umana qui les bras en l'air, qui le braccia in aria, chantait sa joie d'être ensemble. Cantavano la sua gioia di essere insieme. Cette vision, je l'ai eue les yeux ouverts, je vous le redis. Questa visione l'ho avuto gli occhi aperti. Et jusqu'à présent, toutes les visions que j'ai eues se sont réalisées. E fino adesso, tutte le visioni che ho avuto sono diventate realtà. Alors, j'ai juste un doute. Ho solo un dubbio. C'est que j'observais la scène. Vedevo la scena. Ça veut dire que je n'étais pas forcément là. Vuol dire che io non ero forse lì. Mais je vais vous dire, ça m'est complètement égal. Ma me ne frego totalmente. Maintenant, j'aimerais vous dire de tout mon cœur. Adesso mi piacerebbe dire dal fondo al cuore. La vie est importante, elle est sacrée, hein? La vita è importante e sacra. Si je pouvais donner ma vie là maintenant. Se potessi dare la mia vita lì. Pour que la paix soit sur adesso, la terre. Perché la pace sia sulla terra. Pour que la paix soit sur la terre. Et que le système fonctionne. E che il sistema funziona. Eh bien, je le ferai immediatamente lo sans farei hésiter. Immediatamente senza esitare. C'est la réponse à cette question. È la risposta a questa domanda. Tu veux me suivre? Mi vuoi seguire? Alors tu quittes tout. Et allora lasci tutto e seguimi. Si on n'est pas dans cette disposition de conscience, se non siamo in questa disposizione di coscienza, alors on peut rester sur son canapé. Allora si può rimanere a casa sul suo sofà. Je donne une anecdote pour Henri. Io faccio un'aneddota per Henri. Quelqu'un vient me donner un bouquin. Qualcuno viene a darmi un libro. C'est la nourriture pranique par Jasmine. E il cibo pranico da Jasmine.
Il me dit, lis-le, c'est intéressant. Lui mi dice, leggelo, interessante. Je vais le lire. Sì, lo leggerò. Et le livre, il va ici, il va là-bas. Il libro si trascina da un posto all'altro. Il voyage dans la maison. Viaggia nella casa. Et au bout d'un mois, je me dis, bon, je vais quand même le lire. E dopo un mese mi dico, bon, ok, mi metto a leggerlo. Pour lui rendre, parce qu'il va venir. Ah, per renderlo, perché lui arriva e devo darlo di nuovo. Alors, je lis, Jasmine. E lo leggo. Et ce que je pense à la fin, je trouve ça naturel, normal. E quello che penso lo trovo normale, naturale. Tellement normal que... Così normale che... Je me suis dit, je vais le ranger... Mi sono detto che... Comme une nouvelle recette de crêpes. Lo metto come una nuova ricetta di crespelle. Et quand vient mon ami, je lui rends le livre. E quando il mio amico viene, gli ridò il libro. Basta, je l'ai lu. Ouf. Basta, l'ho letto. Quelques temps après. Qualche tempo dopo. Je me retrouve dans un magasin, la Fnac. Sono in un negozio, la Fnac. J'ai pas mis les pieds dans ce magasin depuis 5 ans. Non ho più messo i piedi in questo negozio da 5 anni. Et je me demande ce que je fais là. E mi chiedo che cosa faccio qui io. Alors je voyage dans les allées. Allora mi sto viaggiando per le differenti piani. Et avec le petit doigt là. E con questo dito lì. Devant une grande étagère. C'è una grande armadia. Je vais sortir un livre. Prendo un libro. Et le livre c'est La nourriture pranique par Henri Montfort. Il libro è La nourriture pranique da Henri Montfort. Alors là, c'est comme si je prends une cloche sur la tête. Allora lì è come se il cielo mi cade sulla testa. Bon, ça va, j'ai entendu. Ok, ho capito. Je me suis assis par terre. Mi sono seduto per terra. Parce que j'avais pas de sous, j'en mets tout sur moi. Non avevo soldi, non ho mai soldi su di me. Et j'ai lu le livre Henri. E ho letto il libro lì nel negozio. Bon. Ok, je reviens demain. Je repose le livre, j'avais pas d'argent. Ok, rivengo domani, metto il libro e vengo domani perché non avevo soldi. Je suis revenu le lendemain. Sono tornato. J'ai acheté le livre à Henri. Ho comprato il libro. Je l'ai amené à la maison. L'ho portato a casa. Et je l'ai lu trois fois. E l'ho letto quatre fois. Quattro volte. Chi mieux. J'ai aimé sa poésie. Mi ha piaciuto la sua poesia. Je me disais un jour, je le rencontrerai et je lui dirai je l'aime. Mi sono detto un giorno. E gli dico che li amo. Voilà, c'était pas une vision, ça s'est réalisé aussi. Non era una visione, ma si è realizzato pure. Alors, je dis bon, ok mon père, d'accord. Allora dico, ok, va bene mio padre. Tu veux que j'y aille? Tu vuoi che ci vado? J'ai réfléchi un peu. Ho riflettuto un po'. Et puis j'ai dit, lundi je commence. E poi ho detto, lunedì comincio. Alors dans la famille on m'a dit quoi? Allora la famiglia ha detto, che cosa cominci? Lundi, j'arrête de manger. Lunedì, smetto di mangiare. Et j'ai fait un processus de 21 jours chez moi. E ho fatto un processo di 21 giorni a casa. Je me rappelais même plus de ce qu'il y avait dans le livre de Jasmine. Non mi ricordavo neanche più di quello che c'era nel libro di Jasmine. Je m'en suis rappelé quand j'étais dans le processus. Me ne sono ricordato quando ero nel processo. Parce que j'avais rien prévu. Perché non avevo previsto niente. Il n'y avait personne pour me masser quand j'avais mal. Non c'era nessuno per farmi massaggi quando ero male. J'avais pas de petite musique douce pour non me calmer. Non avevo musica dolce per calmarmi. J'avais pas le temps de prendre des bains. Non avevo il tempo di prendere bagni. Fallait que je gagne des sous pour payer mes factures. Dovevo guadagnare soldi per pagare le bollette. Je devais accompagner les enfants, etc. Dovevo accompagnare i bimbi, fare il lavoro. Être toujours debout, opérationnel. Essere sempre in piedi, operazionale. Et je me suis quand même lancé. E mi sono lanciato, l'ho fatto. Ce que j'ai vécu. E quello che ho vissuto. Dans tous les processus que j'ai accompagnés, j'ai jamais vu personne vivre ce que j'ai vécu. In tutti i processi che ho accompagnato, mai ho visto quello che ho vissuto io. J'étais végétarien depuis plus de 30 ans avant de commencer ça. Ero vegetariano da più di 30 anni prima di cominciare quello. Je pensais que j'étais propre. E pensavo che ero pulito. Eh bien, j'ai détoxiné comme un malade. Ho détoxinato come un malato. Petite indication. Piccola informazione. Pourquoi je me suis décidé comme ça? Perché mi sono deciso così. Parce que je suis pas fou quand même. Perché non sono pazzo, però.
J'ai dit OK, mon père. Ho detto OK, padre mio. Tu m'as donné la poesia d'Henri. Mi hai dato la poesia di Henri. En me disant c'est la deuxième fois, il n'y aura pas une troisième fois. Dicendomi donc, è la seconda volta, non ci sarà una terza, muoviti. J'ai OK, j'y vais. Ho detto OK, ci vado. Mais j'y vais avec toi. Ma ci vado con te. Et s'il y a le moindre indice. E se c'è il mini più piccolo indice. Que par exemple j'ai des vertiges. Che ad esempio ho vertigini. J'arrête j'arrête ça et je me remets à manger. Smetto quello e mi rimetto a mangiare. Alors le matin, allora, je me levais vite. Mi alzavo presto. Pour voir si j'avais des vertiges. Per vedere se avevo vertigini. Et comme j'en avais pas, ben je continuais. E come non ne avevo, continuavo. Ce qui arrivait dans la journée. Quello oh là che succedeva durante la giornata. 21 jours. 21 giorni. Allez, je pensais connaître l'enfer de Dante. Pensavo conoscere l'inferno di Dante. J'ai connu l'enfer de Domenico. Ho conosciuto l'inferno di Domenico. Maintenant j'en ris, hein. Adesso ne rido. J'en ris. Ne rido. È una. Non potete capire in italiano. Ça a été une aventure extraordinaire. Fu una avventura straordinaria. C'était l'hiver. Era l'inverno. Il y avait de la neige dans mon jardin. C'era la neve nel giardino. J'ai un petit bassin avec des poissons. Un bassino con i pesci. Moi qui étais frileux. Io che avevo sempre freddo. Vous me trouviez parfois la journée, parfois la nuit. A volte di giorno, a volte avec un di manteau, notte. Une écharpe. Ero con un chapeau. Il cappello, la scialpa, il vestito caldo. Et les pieds nus dans la neige. E i piedi nudi nella neve. J'allais me tromper dans le bassin poisson. Andavo nel bacino di pesce. Et s'il avait été plus profond, j'aurais sauté dedans. E se fosse più profondo, avrei tuffato. Mi sarei tuffato dentro. Et il m'est arrivé tout le contraire de ce que je vivais avant. Mi è capitato tutto il contrario di quello che vivevo prima. J'en ai vu de toutes les couleurs. Ne ho visto tutti i colori. Un jour, il y a une bande de je sais pas qui. Un jour, ils sont arrivés. Un giorno sono arrivati. Calmement. Calmamente. Ils m'ont dit de me mettre sur le ventre. Mi hanno detto mettiti sulla pancia. J'étais dans mon lit, c'était la nuit. Ero sul mio letto, era la notte. Et ils ont commencé à me masser. E hanno cominciato a farmi un massaggio. J'ai trouvé ça agréable. Ho trovato quello piacevole. Et puis comme quand j'étais chaud. Come ero caldo. Ils ont mis des doigts d'acier au bout de leurs doigts. Hanno messo diti di acciaio al punta delle loro dita. Et ils ont commencé à me masser d'une autre façon. E hanno cominciato a farmi massaggio in un altro modo. Et là, j'y pense encore. Et là quoi? J'y pense? J'y pense encore. Ah, e quello ci penso ancora. Je n'ai jamais éprouvé une douleur pareille. Non ho mai avuto un dolore così forte. J'avais un moment tellement mal. Avevo così ma, sì, male. Que j'allais dire stop, j'arrête. Che stavo per dire stop. Et quand j'allais dire stop. To a cui ho voluto dire stop. Ça s'arrêtait. Si è fermato. Je soufflais un coup. Et ça recommençait. Soffio un colpo e Donc, comme dit notre ami ostéopathe. Come lo dice il nostro amico osteopate. Je connaissais les limites de ma douleur. Conoscevo i limiti del mio dolore. Ça a duré 3 nuits de suite. Ha durato 3 notti di seguito. Et après c'est fini. E dopo è stato finito. Ils sont partis, ils avaient l'air contents. Sono andati, avevano l'aria contenti. Je n'ai réveillé personne dans la maison. Non ho svegliato nessuno nella casa. J'ai presque déchiré l'oreiller. Ho quasi. Et quand je me suis, et quand je me suis réveillé le troisième jour, et quando mi sono svegliato il terzo giorno, je n'avais plus de douleur dans le dos. Non avevo più dolori nella schiena. Je me sentais plus grand. Mi sentivo più grande. Plus large. Più largo. Les côtes détachées. Le costole staccate. J'avais l'impression d'être tout neuf, d'avoir un squelette tout neuf. Avevo l'impressione di avere un scheletro nuovo. Je me sentais léger, je me prenais pour une danseuse. Mi sentivo leggero, mi prendevo per una ballerina.
Je faisais attention que personne ne me voie. Hein. Ero attento a che nessuno mi veda. Je perdais 15 kilos en tout. Ho perso 15 kg in tutto. J'étais comme ça. Ero così. Et on m'a dit que je faisais peur. E la gente mi ha detto, tu fai paura. Je n'ai jamais regardé ma balance. Mai du non moins, ho guardato pardon, la mia pardon, bilancia. Pardon. Je n'ai jamais fait attention au poids de la balance. Non ho mai fatto. Non ho mai fatto. Non ho mai fatto caso al peso della bilancia. Je pensais que je pouvais m'arrêter à un poids. Pensavo che potevo fermarmi a un peso. Mais j'ai lâché. Ma ho lasciato. J'avais une telle énergie. Avevo così tanta energia. Que le poids. Che il peso non aveva importanza. Alors j'ai mis des ficelles à mes pantalons. Ho messo. Je sais pas, ficelle. Corde. La corde. Parce que je voulais pas racheter de nouveaux vêtements. Perché non volevo comprare nuovi vestiti. Et mes ceintures étaient trop grandes toutes. Le mie cinture erano tutte troppo grandi. Alors je ressemblais à un drapeau qui flottait comme ça. Ero come un, come si dice, una bandiera che flotta al vento. Voilà, mais quelle joie dans le cœur. Ma che gioia nel cuore. De ressentir l'amour vraiment. Di sentire l'amore veramente. De sentir quelque chose de encore plus large de ce que je connaissais. Di sentire qualcosa ancora più largo che conoscevo. Hein, figurez-vous, je connaissais Dieu, je le connais depuis 1974. Perché Dio lo conoscevo dal 1974. À l'époque, c'est quelqu'un dont je parlais. All'epoca era qualcuno da cui parlavo. Et puis il est devenu celui avec qui je vis. E poi è diventato quello con cui vivo. Ça fait une grosse différence. Fa una grande differenza. Alors je dirais qu'il m'a fait cadeau de cette petite canne de pranic. Allora direi che mi ha fatto il regalo di quella canne. Parce que si je di vous dis pranico. Si je vous dis que dans le processus pranique, c'est juste extraordinaire ce que l'on peut vivre dedans. Perché se vi dico che nel processo pranico è straordinario quello che si può vivere. Mais ce que je connaissais de mon père. Quello che conoscevo dal padre mio. Ça laissait l'état pranique dans quelque chose de tellement petit que c'était même pas intéressant. Mi faceva pensare che lo strato pranico è così piccolo e non interessante. J'ai entendu la nécessité que je mette les pieds dedans. Ho sentito la necessità di andare verso quello. Pour les raisons que je vous ai dites aujourd'hui. Per le ragioni che ho spiegato oggi. Qui permettent de relier les colorés. Che permettono di legare i colorati. Avec les initiés. Con gli iniziati. Et que nous puissions tous ensemble faire vraiment un grand travail. Et que noi tutti insieme possiamo fare un gran bel lavoro. D'élever notre conscience au même niveau. Di fare salire la nostra coscienza allo stesso livello. Et de ne plus perdre du temps avec des peccadilles. E di non perdere tempo con cose senza importanza. Des choses sans importance. Et que nos accompagnements de processus soient vraiment efficaces. E che i nostri accompagnamenti di processi siano proprio efficaci. Et pour moi, l'efficacité, c'est cette capacité. E per me l'efficacia è questa capacità. Que nous pouvons avoir vous, à nous, en vous accompagnant. E questa capacità che possiamo avere in noi, accompagnando voi. À éveiller votre âme. A svegliare l'anima. À vous permettre de laisser tomber vos croyances. A permettere di lasciare cadere le vostre credenze. Pour être plus libre. Per essere più libero. Plus efficace. Più efficace. Et qu'ensemble nous puissions changer de paradigme. E che insieme possiamo cambiare di paradigma. Je vous regarde et je vous vois. Ti guardo e vedo. Voulez-je vous raconte comment ça m'est arrivé? Volete raccontarmi? Volete che racconto come mi è successo di vedervi? J'étais en train de discuter avec quelqu'un dans la rue.
Ero parlando con qualcuno nella strada. Et j'ai eu une image là. Ho avuto un'immagine. Des touches de piano. Delle note di des piano. Touches de piano. Un piano. Qui venait de là-bas, qui passait devant moi che et qui allait par là-bas. Che veniva. Che passava davanti a me e che andava fino a lì. J'ai pas fait attention au départ. Non ho fatto caso all'inizio. Et à un moment, il me dit, a regarde. Mi dice, guarda. Alors j'appuyais sur la touche de piano et ça faisait ding, ho bussato ding. Sulla. Il y avait des choses magiques qui arrivaient. Quand je faisais comme ça avec les mains, il y avait des petites étoiles qui sortaient. Quand je faisais comme ça, ici, il y avait un petit nuage de lucioles qui sortait comme ça. Tout ça en discutant avec les autres dans la rue. Et à un moment, je réalise qu'il se passe quelque chose de magique là. Et quand je regarde comme ça, je vois les touches de piano qui s'envolent. Et je prends conscience que c'est en train de disparaître. Alors j'ai eu tellement peur que ça disparaisse que j'ai mis mes mains comme ça dessus pour tenir des touches de piano. Et les personnes qui étaient là, ils me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Domenico? J'ai dit, je reviens. Et j'en avais gardé quelques-unes. Les autres sont partis. Hein. Et dans celle-là, quelque part, il me dit... Alors je réponds à ce qu'il me dit. Je ne veux pas être magicien. Je veux faire les choses le plus simplement possible. Je ne veux pas être tomboy. Je veux être droit, debout, et faire comme je peux. Alors j'ai laissé partir les touches de piano. Et j'en ai gardé quatre. Je vous promets, elles étaient magiques, ces touches. Je vous ai dit, le voyageur léger marche sur l'eau. Je vous le dis en riant. Mais je vous rappelle que j'avais un bac à poissons, enfin du moins un bassin à poissons. Et puis il y a des précédents, donc je ne suis pas extraordinaire. Alors ces quatre touches de piano, la première me donne votre couleur. Je vois votre couleur individuellement et je vois la couleur globale. J'entends votre souffle, je vous entends respirer individuellement. Ce qui me vient, c'est l'information dont j'ai besoin. Quand je vous vois assis ou debout ou en train de marcher, je sais à qui j'ai affaire. Et quand je regarde vos yeux, je regarde le Père en vous. Et c'est pour ça que je vous aime. Parce que vous savez, vous êtes détestable, n'est-ce pas? Alors c'est la seule raison pour laquelle je vous aime.
parce que je vois dans vos yeux la présence du Père. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je mets à profit ces outils pour ma propre formation à moi et pour rendre le processus pranique le plus doux possible. Tout doucement, je me libère de ça. Parce que je veux vraiment être sur l'herbe là, juste, hein? Juste moi, t'es seul. C'est une aide considérable qui m'est donnée. Je vois comment on progresse les processus que j'accompagne. Figurez-vous dans un processus, pour vous donner un détail, je suis H24 avec chacun des gens que j'accompagne. Des fois, on vient toquer à ma tante à 3h du matin. C'est pas pour me faire peur, hein. Et je suis disponible et on fait un travail ensemble. Encore une fois, je le dis, ce processus de la nourriture pranique, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. À la fois pour ceux qui le suivent, hein. Mais pour moi, c'est une aventure à chaque fois extraordinaire aussi. Et de voir une âme s'éveiller, c'est pour moi la plus belle émotion du monde. Je faisais des processus sur 12 jours. Et un jour, je vois un jeune homme. 9e jour, il vient me voir, il me regarde bien en face, et il me dit, j'ai tout compris, je me sens bien, j'ai une hâte, c'est de rentrer chez moi, et de serrer ma famille dans mes bras. Il était pranique. En 9 jours. Alors j'ai réfléchi et après, j'ai découpé les choses en tranches. J'ai vu des personnes au bout de 3 jours être praniques. Je les accompagne sur 1 année après. Je fais un point au bout de 6 mois et au bout de 12 mois. On fait un point au bout de 6 mois et de 12 mois. Parce que ce que j'observe, c'est que l'état se stabilise au bout d'un an. Bon, c'est pas une généralité, c'est ce que j'ai observé moi. Et on va vers quelque chose d'encore plus fort que ça. L'histoire serait très longue, elle nous amène en Afrique. En tant qu'initié, nous avons cette capacité de faire passer l'amour du Père en nous. C'est pour ça qu'on nous appelle des guérisseurs. Eh bien, cette capacité de guérir, on peut l'appliquer au prana. Et si nous sommes vraiment conscients de ce que nous faisons lorsque nous accompagnons les gens au prana, il va se passer un moment, et je le tente souvent,
qu'il suffira de serrer quelqu'un dans nos bras. Pour le guérir de tout ce qui l'empêche de se nourrir de prana. Sans avoir besoin de faire de processus. Ça ne sera pas comme le bigou en Chine, où là-bas ils fabriquent des illuminés comme Pralajani. Hein. Mais nous avons besoin de gens conscients ici. Et ça se passera comme ça. Mais en conscience. Dans mes processus, je vois un miracle par jour et par personne. Je ne dis pas tout ce que je vois. Mais je suis à une école extraordinaire où je vois vraiment la main de Dieu travailler avec nous. Alors dans cet aspect pranique, pour être pranique, il s'agit d'aligner le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Mais pas le spirituel de l'ésotérisme. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Parce que quand je vous dis ça, je l'éprouve vraiment du fond du cœur. Et je comprends que ma famille... C'est le monde entier. Je vous encourage à vivre ce sentiment d'amour. Parce que c'est ce qui ressort de cette démarche pranique. Alors, merci pour ton livre, mon cher Henri. Merci pour ce petit doigt. Merci à la FNAC. Merci à l'argent de Matière-Lire. Et puis, merci à vous. Bravo! Cinq minutes? Waouh, j'ai l'opulence. Je vais faire un tour de magie. T'as qu'à faire. Hein? Non, je plaisante. Oh, pas tellement. Je me demande quand j'ai marché sur l'eau de mon bassin, si l'eau n'était pas gelée. Je crois qu'il y a un truc là. C'est possible aussi. Ceux qui ont rencontré une manifestation christique sont imprégnés de l'enseignement. Lorsque par le dernier barbu, il envoyait prêcher la bonne nouvelle, quelque à la barba. La bonne nouvelle. Alors, imaginez-vous, il y a 12 crétins là, qui suivent un barbu. Ils mangent avec lui. Ils dorment avec lui. Ils lavent leur linge avec lui.
Il traverse le désert avec lui. Ils sont constamment avec lui. Et quand il leur dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle, ils restent comme des poissons la bouche ouverte. Mais nous, on ne sait pas faire ça, c'est toi qui le fais toujours. Maintenant que je vous ai appris, allez-y. Alors, il dit comment on va faire. Il leur répond, allez-y, frappez à la porte. Si on vous ouvre, prêchez la bonne nouvelle. Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, parce que c'est le Père qui parlera par vous. Si on vous accueille, entrez dans la maison, restez-y le temps nécessaire, faites votre œuvre de bienveillance. Et continuez votre chemin. Si on vous refuse, secouez la poussière de vos sandales et passez votre chemin. Donc ne passez pas votre temps à essayer de convaincre les gens. Alors il me dit, lève-toi, vous avez vu, je me suis levé, hein, je suis gentil. Il me dit, tu vas fermer les yeux et tu vas me laisser parler par toi. Quand il parle par moi, sa parole est guérisseuse. Elle guérit pas le corps. Elle guérit l'âme. Et quand l'âme se guérit, le corps se guérit tout seul. Vous voulez l'entendre? Il faut vraiment que je reste debout. Oui, je restais debout. S'il n'y a pas de traduction à ce qui va se dire, ça n'a aucune importance. Non. Quand il nous parle à notre cœur. On va voir comment ça va se faire. On va s'en voir. Mon Père bien-aimé, j'aime puisque tu me donnes l'occasion de te manifester pour mes frères et sœurs ici rassemblés dans cet esprit de joie qui m'anime lorsque tu viens parler avec moi. Voilà, je me suis levé, comme tu m'as demandé. J'ai fermé les yeux. Alors je te laisse parler par moi. Mes enfants chéris, vous écoutez cette voix. Cette voix vient parler à votre cœur. C'est ce cœur que je chéris en vous. Je suis la source de toutes choses. L'amour inconditionnel, c'est moi. Je suis cette force de vie qui a initié votre existence dans cet univers. Vous faites partie de ma création. Et en Père bien-aimant, je m'attache à vous voir croître et multiplier depuis la nuit des temps. Sont arrivés ces moments que je vous ai fait écrire par les uns les autres, où toutes vos religions, toutes vos croyances vous parlent de cet état de fait. Je vous veux debout, droit, fier d'être ce que vous êtes, non pas ces vermisseaux qui rampaient au sol, mais des enfants dignes et droits qui se dressent vers leur père. Je vous ai imposé l'existence, je ne vous imposerai pas la vie, parce que la vie se choisit. Devenir ce que je suis, c'est le deal que je vous propose, et pour cela, en cherchant, vous trouverez,
Et si vous demandez, on vous répondra. Le chemin vous est tracé pour que vous puissiez l'emprunter à bon escient. Opérez toutes les transformations qui feront de vous la meilleure version de vous-même. Je n'interviens pas dans votre travail. Je vous ai déjà servi tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour que vous puissiez réaliser ce chef-d'œuvre personnel de devenir amour seulement. J'aime vous pétrir de mon amour, vous inonder de ma lumière. J'aime régénérer chacune des fibres de votre corps, vous imprégner de ce sentiment d'appartenance qui vous fait dire ici et là, sans en prendre réellement conscience, que nous sommes tous un. Mais qui êtes-vous pour dire cela? Vous ressemblez... Je vous laisserai dire cela plus tard. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime d'un amour immarcessible. Et cet amour vous conduit à moi, seulement si vous le choisissez. Pour l'heure, je m'approche de vous, de cette indistance et délicate façon qui ne viendra pas vous brusquer dans vos habitudes, qui vous laissera tout au moins ou tout au plus l'impression d'avoir entendu une voix curieuse vous parler. Il est ainsi que vous êtes encore fragile pour entendre ce que j'ai à vous dire. Pour autant, je parle à votre cœur. J'aime vous régénérer, vous donner mon amour, vous dire et vous redire que je vous aime. La vie est en vous, décidez-vous. Très tendrement, j'aime vous serrer dans mes bras d'amour. Je vous guéris en vous bénissant de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Amour, mon Père bien-aimé.